Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 29. Exercice numéro 29. Alors, soit la fonction f définie par 2x sur x plus 1. Et g(x) est égal à x au carré. On a d'abord le domaine de définition de f, c'est r moins moins 1, et le domaine de définition de g, c'est r. Premièrement, petit a, résoudre dans r l'équation f x égale g x. Pour f x est égal g x, c'est 2x sur x plus 1, qui est égal à x au carré, signifie que x au cube plus x au carré moins 2x égale à 0, signifie que x facteur de x au carré plus x moins 2 égale à 0, signifie que x est égal à 0, ou x au carré plus x moins 2 égale à 0. Delta, c'est égal à b au carré moins 4ac, c'est 9. x1 est égal à moins b moins 3, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et x2 est égal à moins 1 plus 3 sur 2, c'est 1. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, c'est 0, 1 et moins 2. Petit b, interpréter le résultat graphiquement. Alors on sait que les solutions de l'équation fx égale gx représente graphiquement les abscisses des points d'intersection de CF et CG, les deux courbes. C'est-à-dire que CF et CG se coupent en trois points qui sont le point O de coordonnées 0, 0, le point A de coordonnées 1, 1 et le point B de coordonnées moins 2, 4. Deuxièmement, tracer les courbes CF et CG. Bon, on a d'abord CF est un hyperbole. De centre de symétrie oméga de coordonnées moins 1, 2 d'asymptote les droites d'équation x est égal à moins 1 et y est égal à 2, et on a delta pour savoir la monotonie de f, les coordonnées, les coefficients de x, et puis 0 et 1 qui est égal à 2 supérieur à 0. Donc la fonction f est croissante sur son domaine de définition. Et voilà le tableau de variation de f de x, moins l'infini plus l'infini. Et c'est moins 1 appartient pas au domaine de définition. Et la fonction est strictement croissante. Pour x au carré, tout le monde le sait. Pour x au carré, x, g le x, moins l'infini, plus l'infini. Et voilà, elle est décroissante dans l'intervalle moins l'infini, 0, et croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Je trace les deux courbes dans le même repère. Je commence par f. Asymptote
La droite d'équation x est égal à moins 1. La deuxième asymptote, la droite d'équation y est égal à 2. Ici, c'est oméga. Je vais choisir quelques points qui vont nous aider à tracer CF. Je vais choisir d'abord les points d'intersection de CF avec CG, qui sont 0, 0, 1, 1 et moins 2, 4. Je vais prendre encore 2. Je vais prendre encore des réels négatifs, moins 3, moins 4. L'image de 2, c'est 4 tiers. L'image de moins 3, c'est 3. L'image de moins 4, c'est 8 sur 3. Alors le point 0, 0, c'est ici. Le point 1, 1, c'est là. Le point moins 2, ça c'est moins 1, moins 2. Moins 2, l'image de moins 2, c'est 4. Voilà. L'image de 2, c'est 4 tiers. Ici, l'image de moins 4, moins 1, moins 2, l'image de moins 3, c'est 3, voilà, et l'image de moins 4, c'est 8 tiers, c'est à peu près ici. Et je trace la courbe CF. Voilà. L'autre côté, voilà, CF. Ça c'est la courbe CF. Je trace maintenant CG, c'est la parabole. Voilà, elle passe par ce point. Ici, voilà. Moins 1, 1, 2, 4. Voilà. Et ça, c'est CB. Troisièmement, en déduire une comparaison des fonctions CF, des fonctions F et G. Troisièmement, sous forme d'un petit tableau, position relative de CF par rapport à CG, de moins l'infini jusqu'à moins 2, de moins 2 jusqu'à moins 1, n'oublie pas que moins 1 n'appartient pas au domaine de définition de F, de moins 1 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors ici c'est F et au-dessous c'est F, c'est F et au-dessous de CG, de moins 2 jusqu'à 1, c'est F et au-dessus de CG, de moins 1 jusqu'à 0, c'est F et au-dessous de CG, de 0 jusqu'à 1, c'est F et au-dessus, c'est F et au-dessus
dessus de CG et de 1 jusqu'à plus l'infini, CF est au-dessous de CG. Maintenant, le sine de f dx moins g dx. Puisque la fonction CF, puisque la courbe CF est au-dessous de CG, alors c'est négatif. CF est au-dessus de CG, c'est positif. CF est au-dessous de CG, c'est négatif. CF est au-dessus de CG, c'est positif. CF est au-dessous de CG, c'est négatif. Donc, F est supérieur ou égal à G sur l'intervalle moins 2, moins 1, union d'intervalle 0, 1. F est inférieur ou égal à G sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, union moins 1 ouvert 0 fermé, union 1 plus l'infini. Et voilà pour l'exercice numéro 29. La tenue sur le chitrap, fi qanatikum, vaincre les maths, ou t'fi'il le jaras, liassé lakum kulle jadid, ou choukran.